Oui, il y a 22 classes des écoles maternelles. Il y a Libresson, Bel Air, enfin, tout Salon et les environs. Donc, il y a 22 classes à partir de 10h du matin. D'accord. Il y a les extras. Après-midi, 4h30. C'est-à-dire 16h30. Quoi. Un fauteuil handicapé, il peut rentrer dans la ferme pédagogique? Oh, oui, ils sont venus hier. Il y a eu des handicapés hier toute la matinée, l'après-midi. Et aujourd'hui, ils vont revenir. D'accord, c'est sympathique au moins penser à tout le monde. C'est tout à fait normal. Les handicapés ont autant de droits que les autres. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est sympathique. Alain, on va jeter un petit coup d'œil à la ferme aux animaux. Oui. Avant d'arriver à voir les écoles. Et on te remercie pour tout ce que tu fais pour Salon de Provence avec le grillon, les traditions provençales. Merci. Tant qu'on pourra tenir, on commence à vivre. Tant qu'on pourra tenir pour les traditions provençales, on tiendra. Le jour où on ne pourra plus, bien, on s'arrêtera. On n'a pas de relève. Personne ne veut prendre la relève. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prendre la relève, Alain? Il faut à peu près 3 ans de formation pour connaître tous les domaines, toutes les filières, apprendre un peu sur les bêtes ce qu'il faut faire quand elles sont malades, comment, où il faut les piquer, où leur donner les sérums, les vaccins, apprendre ce que c'est que une brebis, un agneau, que la gilda, les races, il y a beaucoup de choses qui se greffent dessus. Vous savez, les bergers, c'est pas beaucoup la théorie, c'est beaucoup la pratique. C'est sur le terrain. Sur le terrain. Il faut être sur le terrain. Nous, l'écriture, on s'avoue royalement. Ce qui compte, les ordinateurs, on n'en a pas besoin, parce que c'est la voix qui nous faut, c'est pas des ordinateurs. Et des bons bergers. Merci Alain. Il y a aussi Gérard qui travaille dans le terrain. Mon frère Gérard qui est trésorier. André Cadérère, c'est le vice-président. Et nous sommes là depuis... de 1981. C'était Alain Rimorini qui est le président du Grillon. Je suis président. Faites votre compte, vous voyez les années qu'il y a sur le jour. Merci Alain. Je vais prendre la boîte, non ? Hein ? Je vais prendre la boîte ? Non, c'est bon. C'est ça. Non, c'est bien, il n'a pas le faire. Hein ? Il n'a pas le faire. Ah, mais j'ai mal, j'ai dit, pourquoi j'ai dit là ? Donc, si vous avez un accident, il va me dire, lui aussi. Elle est brave, il n'est pas le faire, elle est dans le jeu, Eh oui, il faut bien s'en occuper parce qu'il n'y a plus personne pour s'en occuper, c'est vrai. C'est tellement beau à voir et c'est en voie de disparition. Alors là, tous les enfants qui viennent, est-ce qu'ils te voient des fois donner à manger aux animaux? Ils ne le voient pas, ça? Non, ils ne le voient pas parce que bon, on vient les soigner de bonne heure et après, on a les bêtes à s'occuper. Donc c'est vrai qu'ils ne voient pas beaucoup en dehors de ça. D'accord. Alors comment tu t'y prends pour donner à manger? Comment c'est ton parcours un peu organisé? On commence par, curer tous les casses et après on parcure les parcs. Après on les empaille avec l'eau, on vide l'eau, on change l'eau, on met de l'eau propre, on met du foin, le grain pour les poules et voilà. On vérifie bien que tout le monde a à boire, à manger, au sec. Voilà. Ça dure combien de temps ce travail de préparation de la manger aux animaux à peu près, Caroline? Une heure le matin, à peu près une heure le matin pour que ça soit fait correctement. Et après le soir, on recommence. Par contre, il faut emmener tous les animaux et ça c'est un gros travail avec la bétaillère. Comment ça se passe? Ben, je fais à peu près 5 à 6 voyages. Il faut parcourir un peu les fermes pour voir les gens qui veulent bien nous prêter 4 bêtes. Bon, déjà, on prend celles que l'on a de disponibles à la maison. Et puis, on essaye de faire quelque chose de varié, qu'il y ait le plus de choix possible pour les enfants, parce qu'on s'aperçoit que les enfants sont un peu perdus, n'arrivent pas à reconnaître les animaux. Donc, voilà, on essaye de faire quelque chose de très complet. C'est toi aussi qui les soigne, c'est ce malade, tu les soignes. Eh oui, on fait un peu office d'infirmière. Infirmière à domicile pour les bêtes. Hein. Eh oui, il faut contrôler que chaque bête soit pas malade, qu'elle mange. Il n'y a aucun problème. Bien. Et là, c'est du foin de croc. Thank you.
Je m'occupe de donner à manger, donner à boire et prendre soin des animaux. Et pour qu'ils soient le mieux qu'ils peuvent, pour que quand les gens viennent, ils soient heureux les animaux. D'accord. Tu as participé à l'installation de la ferme pédagogique. Comment ça s'est passé? Petit à petit, ça commence à se construire avec des clés en bois. On les passe l'une sur l'autre, ça fait des petits parcours aux animaux. Combien de temps à peu près ça met pour construire la ferme pédagogique? Une bonne quinzaine de jours. Quinzaine de jours, ouais, d'accord. À bientôt, c'est quel horaire? Une quinzaine de jours. Une bonne quinzaine de jours. Voilà. D'accord. C'est dur à préparer tout ça. Et tu accueilles aussi le public? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils te posent des questions? Qu'est-ce qu'ils te disent, le public? Ils me demandent c'est quoi la race des animaux, s'ils vont faire des enfants. Et les enfants, ils te demandent aussi? Et ouais, les enfants, ils me demandent beaucoup s'il n'y a pas des œufs de poule, si tu peux caresser et tout ça. D'accord. C'est sympathique? Ouais, impeccable. D'accord. Et toi, plus tard, t'as... Pour ça, c'est intéressant cette démarche à Noël, voilà. Par exemple au château de l'Empéry, de faire une ferme reconstituée. Il y en a qui ils en ont fait des fermes pédagogiques, mais je ne sais pas si ça tient bien aussi, si ça dure longtemps. Vous êtes un agriculteur, ouais. Et quelle vision vous avez d'agriculteur sur cette présentation un peu scolaire? Ah ben, c'est très bien, ça permet de faire connaître aux enfants les animaux. Puis, que je ne pense pas, mais j'ai presque l'impression que d'ici quelques années, ça ne se verra plus, toutes ces choses-là. Ça me fait beaucoup de peine. Bon, moi, c'était ma grande passion, les animaux. Et je vois que ça s'en va. On ne voit plus que du béton, des routes. Autour de Salon, ça se construit de partout. Il va rester peut-être d'ici une trentaine d'années, peut-être 4 ou 5 exploitations dans les Bouches-du-Rhône importantes. Des petites exploitations, il n'y en aura plus. Je ne pense pas, ça part comme ça. Pour la proximité, c'est quand même important, peut-être, de cultiver un peu cette tradition agricole et d'élevage. Oui, mais bon, pour cultiver ça, il faut... Il ne faut pas que ce soit, comme je peux vous dire, d'aller sur les routes, d'aller avec un tracteur, avec un troupeau de moutons sur une route, c'est plus possible maintenant. Nous, on le voit quand on veut déplacer un troupeau, on le fait pendant le week-end, le matin bonne heure, pour ne pas embêter les gens qui vont travailler. On les comprend bien, mais bon, les gens ont plus de patience. Quand ils voient un troupeau de moutons, ils ne s'arrêteraient presque pas, ils fonceraient dedans. Vous comprenez? Un tracteur, c'est pareil, un tracteur, on gêne sur la route. Alors c'est pour ça, je pense que d'ici une trentaine d'années, il n'y aura plus que 3 ou 4 exploitations dans la cour. Hein. Les grosses exploitations, c'est tout. Mais les gens ne se déplaceront plus avec des troupeaux ou des tracteurs. Vous voyez, ça... Et je vois l'avenir comme ça. Bon, moi, j'y serai plus. C'est clair. Mais... C'est unique de la région, ça, je vois pas quoi.
Voilà, Gérard. Alors là, on est dans la ferme de Noël. Comment on s'y sent ? Je sens la campagne. C'est sympathique. Ah, une campagne dans le cœur de la ville. Voilà, et c'est quelque chose de phénoménal. Pour faire une ferme comme ça, grandeur nature, en pleine ville, surtout dans le château. C'est pas rien, mais enfin, avec la participation de tout le monde, les paysans nous ont beaucoup aidés, les bergers aussi. Ma foi, tout s'est bien passé. Tu as des remerciements spéciaux à ah, faire? Ah oui, à tout le monde. Nous sommes dans la campagne. Caderer, qui est vice-président, que lui, il s'est donné à fond. André Caderer. Il y a eu pas mal quand même Caroline Bestel qui est venue tous les matins culturer avec les jeunes, les animaux, parce que. Il y a quand même trois conteneurs de fumier tous les jours à sortir. Hein. La vache, elle fait des bruits et tout, la dame et tout. Tu vois, c'est bête. Et puis, ma foi, disons que tout le monde a participé. Hein. Tout le monde, hein. Même la mairie, nous avons beaucoup de mains, hein, les employés de mairie. Ils ont été là cette année aussi. Comment ça n'a pas sorti? On monte un bâtiment comme ça et tout. Bon, on a coupé le reste, mais le bâtiment, c'était la mairie qui l'a monté. C'est les employés de mairie qui l'a monté. Pour moi, qui ai mis le travail, hein, ma foi. Eh oui, on s'en rend compte. Et voilà. C'est le voir comment c'est. Quand la ferme est montée, et tu vois après, quand la ferme est montée. Dixième et la première classe. C'est quoi ça représente? Alors, ça a eu un bon succès, cette ferme de Noël. À chacun, merci. Mais l'année prochaine, on va essayer de la faire encore plus belle. Vous avez beaucoup d'aide scolaire. Alors, vous avez deux chèvres laitières en rentrant, qui vont mettre bas. Après, vous avez des chèvres nettes. Vous avez un lot de lapins. Vous avez 3 lots de limons. Vous avez 4 chèvres du monde. Avec sa bergère, on le dit. Ah oui, on peut le dire. Oui. Voilà. La bergère, elle est avec les chèvres. Elle est en train de les faire en bois, vous voyez. Après, vous avez 5 brebis mérinos avec leurs agneaux. Vous avez un âne de veau avec son poulet, qui est une femelle. Une ânesse de veau avec son poulet, qui est une femelle. Vous avez une vache rombrégarde laitière avec ses deux veaux, jumeaux. Après, vous avez un poulailler avec des poules. Des poules, vous avez deux petits cochons. Puis dehors, vous avez encore la volière avec des perdrix, des faisans. Vous avez une volière avec des canards, des oies. Voilà. Et puis là, je vois à l'entrée qu'il y a encore des dindes et des pétales. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il y a des pains. Ah oui, il y a des pains. Et un grand succès à la ferme pédagogique. Il y a pas mal de scolaires qui viennent. Oui, il y a beaucoup de scolaires qui viennent tous les jours. Là. Et puis du monde de salon et des environs qui viennent visiter la ferme pédagogique. On peut estimer un peu le nombre de personnes qui passent par jour. Il y a entre 1500 et 1800 personnes, même 2000 personnes par jour. À peu près, ça fait beaucoup. Ça me... Ah non. Entre les écoles et tout, ça fait bon. Comment vous êtes 800 personnes. 800 personnes. D'accord, 800 personnes. Et 800 personnes. D'accord. Ah ben merci Monsieur Calderer, bon succès à la ferme pédagogique. Et je vous remercie monsieur. Depuis 1000...
Alors Alain, la ferme pédagogique, elle existe depuis quand? Elle existe depuis 1981, avec André Dédier. Il est toujours là, qui est vice-président de l'association, qu'on fait après la pédagogie. On a fait une place pour nous. Oui, déjà 1981. Et Alain Rimorini, vous pouvez nous présenter le grillon? Ah, ben, c'est une petite tradition provençale, c'est renouer toutes les traditions provençales qui se perdent. Et nous sommes en train d'essayer de maintenir. En espérant que la mairie, le conseil général, la région nous aidera, parce que sinon, on sera obligé d'arrêter. Nous sommes en train de perdre toutes nos terres. Les nous bergers, dans 5 ou 6 ans, il va y avoir la disparition de tous les troupeaux, de tous les bergers. Personne ne nous aide, nous sommes là comme des imbéciles. Personne ne nous donne un coup de main, nous n'y arrivons plus, donc trop de travail, nous ne sommes pas aidés. Et il faudrait que les jeunes prennent la suite. Et il faudrait surtout que les jeunes prennent la suite. Et c'est une bonne chose de faire un pédagogique. Les enfants de la ville, ils peuvent avoir des animaux qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un agneau, une brebis. Ils le voient à la télévision, mais ils ne connaissent pas en réalité. Le plus grand bonheur pour moi, c'est de voir les gosses, voir les bêtes, les animaux sur place. Alors le grillon, il faut aussi des traditions provençales. Quelle manifestation fait le grillon? On fait la salle du manche, on fait la soirée des bergers, tout ce qui est traditionnel. On peut faire du bal jusqu'aux arènes, des salles du manche, des soirées des bergers, la ferme pédagogique, les fêtes provençales, tout ce qui est fête provençale, tout ce qui est provençal traditionnel. Bien là. C'est la culture. On ne quitte pas! Venez tous! Tout d'abord, je tiens à rendre un hommage à ce monsieur qui est notre ami et que c'est grâce à lui que jusqu'à maintenant on a de telles crèches et de telles activités pour les plus jeunes. Et j'espère que ça continuera dans l'avenir avec notre ami. Voilà, notre ami Alain Rimorini, le grillon. Et Gérard Rimorini. Et son frère éventuellement. Voilà. Les services municipaux, les festivités, les menuisiers, enfin tous les services nous ont donné un gros coup de main pour monter cette ferme pédagogique que sans eux on n'aurait pas pu la faire. Je tiens beaucoup à les remercier. Parce qu'ils ont pris, ils l'ont fait avec cœur, surtout qu'un grand cœur et une bonne volonté. Ça, je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup à les remercier. Bien. La ferme Grillon qui les remercie très bien. Tous les services qui nous ont participé. Les électriciens, les menuisiers, les festivités, enfin tout le monde, les bateliers, la voirie, tout ce qui a participé avec nous. Bon, franchement, bon, c'est vraiment le cas. Alors, Gérard Rimorini, au Grillon, la ferme de Noël, ça s'est bien passé?
Oui, avec beaucoup de fatigue, ben c'est bien passé. Alors, il y a eu un peu du monde qui sont venus. Oh là là, entre les minots, entre les adultes et tout, on a été envahis. C'est sympathique. Oui, ma foi, pour les petits et pour les grands. C'est une bonne chose pour Salon de Provence. Oui, mais on va essayer de la faire le plus longtemps possible. D'accord, on va vous souhaiter alors un bon succès aux prochaines manifestations, Grillon, Tradition et Patrimoine de la Provence. Voilà. Merci à Grillon, à Gérard et Mourigny, à Alain pour le Grillon. Mais je te remercie, merci.